Je t'invite au chinois, d'accord? Non, je te remercie, je finis ça. Bah t'as vu l'heure, il n'y a plus un chat dans tout bâtiment. Faut bien que je termine de préparer l'ADN. Et les cellules, je vais pas les laisser mourir. Bon, oublie pas de boucler en partant. Rappelle-toi l'hiver dernier. À demain. À demain. Myriam, c'est toi? Qui est là? Myriam, si c'est toi, c'est pas drôle. Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as pas répondu quand j'ai appelé? Tu m'as flanqué une peur bleue. Donne-moi ça, Paul. On joue pas avec ça. Écoute. Je plaisante pas. Donne-moi ça tout de suite. Ça va aller très mal. J'en ai besoin. Donne. Maintenant, tu peux m'expliquer? Quelque chose de grave. Oui, ça m'en a l'air. J'ai découvert quelque chose. C'est sur la mort de papa. Ah bon? Oui. Tu as découvert quelque chose, maintenant, 5 ans après. C'est ça que tu dis? Oui. C'était pas un accident. Il n'est pas tombé du train, on l'a poussé. Il a été tué. Et je sais par qui. T'es complètement fou. Ok, laisse tomber. C'est ma faute. J'étais sûr que tu réagirais comme ça. Attends. J'ai peut-être tort, mais écoute-moi à ma place. À ta place, je serais un minimum curieux. D'accord. Tu as dîné? Non, pas vraiment. Je t'invite? Attends. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Paul.
savez, je sens que je tombe mal. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon sixième sens. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Bien, sauf que je tombe mal. Ma spécialité, on dirait. C'est bête à dire, j'avais envie de te voir. C'est pas bête, t'es gentil. Tu sais, je pense toujours à toi. Moi aussi. Pas de la même façon, j'en ai peur. Je crois que Paul s'impatiente. Une autre fois. Oui, on s'appelle. Hein? J'avais vraiment envie de te voir et j'étais sûr que c'était pas le bon moment. À bientôt. Je pense que je suis fou, c'est ça. Qu'est-ce que tu penserais à ma place? Tu débarques au labo sans prévenir. Tu prends le revolver. Tu me dis que papa il t'a assassiné. Excuse-moi, mais ça fait un peu beaucoup, tu crois pas? Je te répète, je suis pas fou. Pour moi, il y a... Il n'y a jamais rien de plus important que la mort de papa. T'as qu'à penser à la mort d'Elisabeth, ce que ça t'a fait. Elisabeth, t'avais 7 ans. Mais je me souviens d'elle. Évidemment pas comme toi. Attends, tu as l'air de dire que ça m'a pas fait grand-chose, l'accident de papa? Non, je dis pas ça. Je dis que t'étais déjà loin. Ailleurs. Puis c'est pas un accident. Enfin, il y a quand même eu une enquête. Elle a été bâclée, l'enquête. Ils ont étouffé l'affaire. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Ça. D'où tu tiens ça? C'est pas important. S'il te plaît. C'est un copain de Chalon. On s'était pas vu depuis 5 ans. Il a retrouvé ça dans ses papiers, il me l'a donné. C'est papa. C'est à quelle gare? C'est la gare Chani. T'as noté la date? Oui. C'est le jour de sa mort. Mais rien ne dit que c'est la même année. Ça peut très bien être l'année d'avant. C'est vrai. Ça fait un drôle d'effet. Tu parles, elle a été prise juste avant qu'il monte dans la Micheline. Une heure avant sa mort, même pas. Et alors? T'as vraiment de la merde dans les yeux. Belle sœur. Bon, c'est Valser, et alors? Alors, je te signale qu'il était sur la route d'après lui à ce moment-là. Il a menti. C'est possible. C'est super grave. Il y a sûrement une explication très simple. C'était le bras droit de papa. Maintenant, c'est le grand patron. Pour être simple, c'est simple. En tout cas, s'il est coupable de quoi que ce soit, il y a la justice. Quelle justice? Ce mec-là est totalement protégé, tu le sais comme moi. Tu n'as aucune preuve, tu as juste une photo. Voilà. C'est ça qu'ils diront. En tout cas, je te laisserai pas faire n'importe quoi. T'as aucun droit sur moi. Si je dis ça, c'est parce que je tiens à toi. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Écoute ta sœur pour une fois. Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on en reparle. La tête reposée. Dépose-moi juste le métro. Ah, vous avez fini de le lire.
Excusez-moi, Paul Rousseau n'est pas là. Laissez un message après le bip. Et je vous rappellerai. Si j'en ai envie. Paul, c'est moi. Tu peux me rappeler quand tu rentres? J'aimerais bien qu'on reparle de tout ça. Tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Rappelle-moi dès que tu peux, je t'embrasse. Excusez-moi, Paul Rousseau n'est pas là. Laissez un message après le bip. Et je vous rappellerai. Si j'en ai envie. Paul, c'est moi. Tu es là? Tu te caches? Je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit. Bon, ben rappelle-moi chez moi. Ou au labo. Il y a vraiment personne? Bon, rappel. Je t'embrasse. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu Paul? Il va venir travailler aujourd'hui? Paul, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. On avait bien dit, les jours impairs, c'est moi, les jours pairs, c'est lui. Total, je suis là et il a même pas prévenu. Vous n'avez pas une nouvelle? Puisque je vous dis que je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Je sais
sais pas, j'ai pas une nouvelle non plus. Enfin, si vous le voyez, vous pouvez lui dire que sa sœur le cherche. D'accord, si je le vois. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, Paul Rousseau n'est pas là. Laissez un message après le bip. Et je vous rappellerai, si j'en ai envie. Paul, c'est encore celle qui t'embête. Ta grande sœur, tu te souviens? S'il te plaît, fais-moi signe. L'offrir pour le 1er mai. Mais quoi? Je n'ai jamais qu'en passé. Tu es content de te trouver? Je te remercie. J'aime bien ton palier, mais l'intérieur est pas mal non plus. Tu peux entrer? Non, écoute, je ne sais vraiment pas le moment. Au revoir. Je vois que tu n'as pas perdu de temps. Je suis heureux pour toi. Il n'y a pas d'amant caché derrière la porte, c'est ce que tu veux dire. Ouf, tu m'as fait peur. Écoute, c'est pas le moment parce que c'est pas le moment. Je voudrais qu'on se retrouve. C'est aussi bête que ça. Tu sais, dans le livre que je suis en train de publier, il y a une phrase qui a l'air d'avoir été écrite pour nous. Il faut traverser les siècles, sans s'arrêter à eux, sans regarder en arrière, et contempler le dénouement du drap. C'est très beau. Tu vois pas le rapport? J'y réfléchirai. Bon, écoute, c'est pas pour te mettre à la porte, mais... J'y suis déjà. Eh ben, c'est parfait. Après le parfait, il y a le plus que parfait. Ça va? Je t'ai fait mal? Jusque au fond du cœur. Prends soin de toi. J'essaierai. Mademoiselle Rousseau? Oui? Excusez-moi de me présenter chez vous à l'improviste. Je m'appelle Véronique Lukaszewski. Mon nom ne vous dit rien. Vous me permettez d'entrer? C'est important pour toutes les deux. Oui, je vous en prie. C'est bien chez vous. Dans Paris, c'est tellement difficile de trouver quelque chose d'abordable. Moi, je suis bien qu'à la campagne. Si j'étais pas obligée pour mon travail... Je suis la secrétaire de Monsieur Valser. Ah. Oui, j'ai besoin de vous parler. C'est une initiative personnelle. Monsieur Valser n'est pas au courant, il n'approuverait pas, sans doute. C'est tout à fait personnel. Vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien un verre d'eau. Vous avez une vraie cuisine, c'est magnifique. Moi, j'ai une passion pour la cuisine, mais avec une kitchenette,
Merci. Sont de vrais vitraux ou c'est du verre teinté? C'est très joli en tout cas. Si vous voulez me parler, c'est par ici. Oh mais c'est vous, vous étiez déjà prêt. Non, c'est pas moi. Excusez-moi, je suis très maladroite et gaffeuse. Y a pas de mal. C'est ma sœur. Ah mais je savais pas que vous aviez une sœur. Je ne l'ai plus. Je suis désolée. Vous vouliez me voir pour quel motif? Voilà. C'est au sujet de votre frère. Paul? Vous en avez un autre? Non. Est-ce qu'il n'est pas un peu fou? Fou? Je ne crois pas. Il est venu hier au bureau et il était dans un état très étrange. Vous voulez dire agité? Plus que ça. Monsieur Valzer n'était pas visible, il ne l'a pas admis. Il a tenu des propos terribles. Je peux même pas les répéter. Est-ce qu'il a déjà menacé d'autres personnes? Est-ce qu'il est dangereux? Vous avez peur pour Valzer ou bien c'est lui qui vous envoie? Je vous ai dit que j'étais venue toute seule, c'est une initiative. Personnelle. Vous ne me croyez pas? Je sais pas. Valzer, enfin monsieur Valzer, aurait-il des raisons de craindre mon frère? Je croyais que vous le connaissiez mieux. Qui? Monsieur Valzer? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Pratiquement depuis la mort de mon père. Et vous croyez? Vous êtes là pour quoi? Pour savoir si je pense comme mon frère? C'est pour ça que vous êtes là? Je crois que j'ai été ridicule. Pas du tout. Si. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Pax Industrie. Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Valzer? Monsieur Valzer est en communication, c'est de la part de qui? Sylvie Rousseau. Sylvie Rousseau? Oui, c'est ça. C'est assez urgent. Vous voulez patienter ou bien il peut vous rappeler? Oui, je suis à mon travail. Il a mon téléphone. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que ça marche. Regarde, la fenêtre des cellules cancéreuses, elle est positive. Et les cellules saines, t'as vu, y a pas de marquage. T'imagines si ça marchait? Ça doit être ton coup de fil, tu veux que je dise que t'es occupé? Voilà, j'y vais. Allô? Sylvie? Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Valzer. Tu cherches à me joindre? Oui, j'aurais besoin de vous voir, c'est assez important. Mais rien de grave, j'espère. Grave, je sais pas, mais c'est urgent. Quand pourriez-vous? Écoute, je suis assez pris, mais si tu veux, aujourd'hui en fin de journée, disons vers 18h, tu peux passer au bureau. Ça te va? 18h, d'accord. Oui. J'y serai. Ah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors? S'il vous plaît. Oui. Monsieur Valzer. Pax Industrie? Oui, c'est ça. 618, 6e étage. Merci.
pardon. J'ai rendez-vous avec Monsieur Valser. Vous êtes... Bonjour. Je vais le prévenir tout de suite. Mademoiselle Sylvie Rousseau vient d'arriver. C'est lui. Entre. De thé glacé. Tu serais un ange. Et de feuilles de menthe. Tu es en beauté. Tu deviens vraiment élégante. Dis-moi, tu veux trop changer? Un peu. Un peu épaissi, hein? Ça marche, tes recherches? Tu as trouvé le vaccin contre le cancer? Et vous avez encore des crédits? Ça coupe sec dans ton secteur, non? Depuis 3-4 ans. Je suis pas là pour parler de ça. Tu préfères qu'on parle de ton frère? Pourquoi? Lui, vous n'avez pas voulu le recevoir. C'est Véro qui t'a dit ça? Véro? Véro. Je l'appelle Véro. C'est ma secrétaire. Depuis 2 ans. C'est aussi une amie. Depuis même longtemps. Vous faites ce que vous voulez. Répondez à ma question. Je ne l'ai pas reçu, lui, parce que lui, contrairement à toi, n'a pas cru utile de me fixer rendez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps quand je suis ici. Et puis, je ne suis pas à sa disposition. Non, merci, je n'ai pas soif. Véron, prends-le. Merci. Tu es un ange. Tu ne la trouves pas ravissante? Et puis forte, sous ses airs fragiles. Elle a réussi à empêcher ton frère de saccager mon bureau. Je t'assure que c'est un exploit. Qu'est-ce qui lui a pris? Il ne va pas bien, en ce moment. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous savez très bien pourquoi Paul est venu vous voir. Là, je te reconnais. Toujours aussi direct. Je sais que vous le savez. Depuis combien de temps on ne s'est pas vu? Ton stage à Osaka, c'était en... 94. 3 ans. Le temps que je donne à la boîte sa dimension européenne. Je me fous de l'Europe. Ton père... n'aurait pas été d'accord. On est toujours numéro 1 pour les guidages de missiles. Paul a sans doute des choses à me reprocher. Je sais qu'il ne m'aime pas. Depuis longtemps. Peut-être à cause de ta mère. De l'amitié que j'ai pour elle. C'est autre chose qu'il vous reproche. Eh bien, qu'il fasse ce qu'il veut. S'il s'est mis en tête de me faire peur, ou de me faire chanter, ou je ne sais quoi, je le plains, c'est tout. À son âge, il devrait avoir mieux à faire. Je voulais personne. Ah bon, passe-le-moi. Ja, Walter. Na, alles geht gut. Ja. Ich rufe dich später an. Danke. Tschüss. Écoute, maintenant, je ne veux plus personne. Merci, Véro. Je n'ai pas de patience pour les enfantillages. Je passe à peine le tiers de mon temps ici. Il m'ennuie. C'est la création qui compte pour moi. Tu peux le comprendre. Pour les jeunes. Mais toi, ne te laisse pas influencer par ces lubies.
Tu me décevrais beaucoup. Ça me ferait de la peine. Tu ne m'aimes peut-être pas, mais moi je t'aime bien. Je vous aime bien tous les deux. Je crois que vous jouez. Vous jouez de moi. Vous cachez quelque chose. Bien obligé. Je travaille dans le secret, tu sais bien. Je vous enverrai. Tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. J'hésiterai sans doute, mais je le ferai. Au revoir. Allô? Oui, c'est pour toi. Ça vient que je peux pas, là, dès que je rappelle. C'est ton frère. Paul? Oui, il appelle de l'hôpital. Tiens, tu peux prendre ma place? Allô? Allô? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas grand-chose. Je me suis juste fait renverser hier par une voiture. T'es blessé? Non, c'est rien. La moto a rien. Je suis à la Salpêtrière. Où ça, la Salpêtrière? Bâtiment C, chambre 312. Je te dis, y a rien de grave. Bon, j'arrive. Faut que j'y aille. Je vais essayer de revenir dans une heure ou deux. Je sais, je vois, tu es pressée. Oui, je dois. Non, ne dis rien. J'ai eu une idée. Une idée géniale. J'ai décidé de t'inviter à dîner. Attends, avant de dire non. Moi, j'ai pas dit non, Jules. Je sais pas, on peut se retrouver vers 9h. 9h30, je préfère. Où ça? Bien, notre restaurant. D'accord. À ce soir. Ah, c'est toi. Ça a l'air de te faire drôlement plaisir de le voir. Tu as mal? Oh, c'est rien, c'est un hématome. On met en observation, mais j'ai rien. Tu sors bientôt? Non, pas de raison de me garder. Tu as écouté mes messages? Ça fait 5 jours que je te cours après. Je sais, j'ai eu le temps de rien. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas perdu ma semaine. J'ai retrouvé la bonne femme, qui était la secrétaire de Valser à l'époque. Celle qui a témoigné qu'il était sur la route. Et alors? Et alors, c'est clair. Tout est clair. C'est ce que je voulais. C'est une réponse écrite de sa part. Le plus important, c'est ce qu'elle dit à la fin.
Effectivement, à la demande de Monsieur Valser, j'ai témoigné qu'il m'avait appelé depuis une aire d'autoroute à l'heure de la mort de Monsieur Pierre-André Rousseau. Je l'ai fait sans réticence pour lui éviter des tracasseries inutiles. Éloquent, hein? Alors, il a menti. Il a fait faire un faux témoignage. Tu me crois maintenant? Ce serait un monstre. Bonjour. C'est Carole. C'est ma soeur. Bonjour. Tu lui as montré la lettre? Oui. Alors vous êtes convaincue? Oui, elle est convaincue. T'as apporté ce que je t'ai demandé? Même que je l'ai avec moi. Elle a quoi? Rien. Sylvie, arrête! Ah! Attention, il est chargé! Te mêle pas de ça! Te mêle pas de ça! Tu vas détruire ta vie! J'en ai rien à foutre de ma vie! Dis-lui de se barrer! C'est cette cinglée qui t'a mis ces idées-là dans la tête! Je suis capable d'en avoir tout seul. Mais vous êtes complètement dingue! Complètement dingue! Et alors? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas bien de se lever. Vous ne devriez pas fatiguer le malade. Tant, t'as pas sonné. Dites donc. Ça ne va pas? Oh, laissez tomber. Je me recouche. Bah, j'espère bien. Et soyez sage. Toi aussi, tu dégages. Tu te rends compte de ce que tu veux faire? T'es hors du coup, Sylvie. Je le ferai sans toi. T'es tellement maladroit. Si tu le faisais, t'y arriverais même pas. Il faudrait que je le fasse à ta place. J'espère qu'elle s'est calmée, votre copine. C'est pas ma copine. Vous savez quand mon frère pourrait sortir? D'ici un jour ou deux. Il a eu de la chance. Merci.
Phoebe, Catherine est partie, elle a un rendez-vous urgent. Moi, je dois voir William. Les cellules sont dans les tubes. Ok, à bientôt. À demain. Pax Industrie, bonjour. Bonjour. Monsieur Valser est-il encore là ? Non, monsieur Valser est parti. Il m'a demandé de le joindre. Savez-vous s'il est encore à son domicile à Paris ou s'il est rentré au domaine ? Monsieur Valser est joignable au domaine à partir de ce soir 10h, mais je n'ai pas le droit de communiquer ses coordonnées. Qui le demande ? Tu vas ? J'ai un truc à faire. À bientôt, on fera demain. Bonjour, j'ai ce billet là pour Chalon, je voulais savoir si je pouvais l'utiliser demain ou pas. D'accord. Vous pouvez me dire à quelle heure il part le premier train ? Demain ? Demain matin, ouais. Alors le premier est à 7h42. Merci. Au revoir. Bonjour, je voudrais un billet pour Chani par Dijon. En première, en seconde classe ? Seconde. Pour tout de suite ? Oui. Pardon, première. Thank you.
Bonjour. Vous avez de la vodka? Bien sûr. Vous avez de la messe? Oui, s'il vous plaît. Voilà, madame. Alors, 26 francs, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà, merci. Votre. Savoir pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien. Une autre, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît.
T'as trouvé? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais? Elle est morte. T'es debout. La fille. Quelle fille? T'as dû rêver. Il y a du café en bas. Et Marthe peut te faire à manger. Ça te fera du bien. Et ça t'aidera à réfléchir. Réfléchir à quoi? Par exemple à ça. Il y a des accidents qui ressemblent tellement à des crimes que personne ne saurait faire la différence. Et réciproquement. Trêve de généralité. Il faut que tu te reprennes. T'es pas là à faire peur. Allez, viens. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Je crois qu'on la retrouvera d'ici 3 semaines, ou 6, dans l'ours. Si elle remonte à la surface,
ce qui ne devrait pas arriver. J'ai failli m'y casser le dos. Alors, à peine arrivée, tu casses tout? Oh, mais t'as vraiment pas bonne mine, toi. J'ai préparé quelque chose. Merci, j'ai pas faim. Alors là, je te reconnais pas. Robert? Marthe? Oui. Dis-moi, hier soir... Hier soir, quoi? Tu sais, nous, on se couche comme les poules, hein. On vous a même pas entendu arriver hier soir. Ah, te voilà. Bonjour, mademoiselle Sylvie. Et mon chauffe-eau, tu l'as réparé? Bah, je comptais le faire tantôt. Avec toi, c'est toujours tantôt, hein. Toi, tu m'as l'air d'en avoir bien besoin de dormir. Marthe, tu veux prendre ce vêtement? Voir si on peut le nettoyer. C'est tout ce que tu offres à Sylvie. Du café. Elle veut rien. Laisse. Rester ici un jour ou deux pour toi, Quincaille. Tu vas pas la faire revivre. Te laisser de périr non plus. T'as du vrai? Ça vous fait peur, ça? Le téléphone est là. C'est un numéro de chiffre. Ça doit être marqué dessus. Vas-y. Fous ta vie en l'air. Oublie pourquoi t'es venu, oublie ton frère, oublie tout.
Bonjour. Vous êtes bien chez Geneviève Rousseau? Je suis sortie quelques instants. Je vous répondrai dès mon retour. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que t'as fait? Et toi, qu'est-ce que t'allais faire? J'ai pas changé d'idée. Il est là? Ça va mieux, ta jambe? Il est là ou pas? Non, il est pas là. Je vais l'attendre. Non. Tu l'as prévenu? T'es avec lui? Réponds-moi, qu'est-ce que t'as fait? Tu veux savoir, je vais te le dire. Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas moyen de t'empêcher. Je me suis dit que c'était le seul moyen. J'ai tué. Voilà ce que j'ai fait, j'ai tué. Lui, tu l'as tué? Non, pas lui. Ça s'est mal passé. Comme si ça pouvait bien se passer. C'est une fille, une amie à lui. Il a fait disparaître le corps. En fait, il est complice de ce que j'ai fait. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça pour te sauver. Tu entends ça, pour te sauver? J'ai tout fait de travers. Non, c'est moi. C'est ma faute. Ça sert à rien de savoir à qui la faute. Faut que tu me laisses. Je vais rester avec toi. Je ferai rien sans toi. Faut que tu me laisses du temps. Tu vas rester là? Tu peux pas rester là? Je sais pas, je sais plus rien. Faut que tu m'aides. Pour ça, le seul moyen, c'est que tu t'éloignes. Promets-moi. Promets-moi. Tu vas faire? Je sais pas. Tu sais que je suis là. Bon, je reviendrai.
t'aider? Si tu veux. Il y a quelque chose qui va pas? T'as été dans la chambre d'Elisabeth, c'est ça? J'aurais pas dû dire ça. Non, j'ai pas été dans la chambre d'Elisabeth. Tu y penses quelquefois? À Elisabeth? Oui, à Elisabeth. Pas quelquefois, souvent. Même 15 ans après. Ben oui. Même 15 ans après. Tu sais, j'ai jamais eu une copine comme elle. Je sais. Je t'ai détestée pendant longtemps. Les deux grandes toujours ensemble, collées. Moi, j'étais la petite de 12 ans, je comptais pas. Vous étiez quand même les filles des patrons. J'avais beau être sa meilleure copine et tout et tout. Moi, je l'enviais, cette gamine. Cette gamine, t'étais aussi gamine qu'elle? Moi, j'ai jamais été gamine. À 5 ans, j'étais déjà grande dans ma tête. Mais elle, à 13 ans, elle avait déjà des seins. Elle était belle. Elle avait tout. Quand je pense qu'elle avait même pas 15 ans. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle s'est jetée? J'ai jamais compris. Tu as compris, toi? Non. Elle avait changé brusquement. Avant. 10-15 jours avant. Elle faisait tout comme d'habitude. Mais elle était changée. Même avec moi, même avec Paul. Plus un sourire. Le moyen de lui arracher un mot. Elle n'était plus la même. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer dans la tête? Je sais pas. En tout cas, c'était pas un chagrin d'amour. Il y a eu plusieurs garçons au collège qui étaient amoureux d'elle. Moi, elle s'en fichait. Peut-être t'as même pas vu mes enfants encore. Si, je les ai vus dans le parc. Ils ont drôlement grandi depuis la dernière fois. Hein? Ouais. Et voilà. Même l'été, les nuits sont fraîches. Au début, j'attrapais systématiquement des rhumes fabuleux. Oh, merci. Bon, je me disais, c'est le prix à payer pour la tranquillité, le paysage, la beauté. Tu n'en veux vraiment pas. J'aimerais que vous vous taisiez. Je l'ai faite pour toi. Elle n'a plus faim. Garde-moi pour demain. Demain, elle sera plus bonne. T'as le cafard? Goûte-la au moins. Marthe. Tu es choqué. C'est bien normal. Fais comme moi. Essaye de ne pas y penser. Il faudrait que tu t'occupes de quelque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Comme ça, comment? Avec moi. Peut-être que je me sens un peu seul. Si tu restes un peu. J'aurais besoin de quelqu'un ici pour trier le courrier et les fax. Je te l'ai dit, je t'aime bien. Curieusement, ça reste vrai. Je vous aime pas. Tu ne seras pas obligé de me voir. Je suis le plus souvent à l'usine ou à Paris. Tu auras accès à tout ce qui me concerne. À ta place, j'accepterai.
Bonjour. Vous êtes bien chez Geneviève Rousseau? Je suis sortie quelques instants. Je vous répondrai dès mon retour. Merci. Maman, c'est moi, c'est Sylvie. On est vendredi soir. J'avais besoin de te parler. Je suis pas loin de la maison, je suis au domaine. Je te rappellerai plus tard. Je t'embrasse. Je t'embrasse fort. Bonjour, c'est moi. Ah, j'allais t'appeler. Il faut qu'on se voie. Ça ne va pas? Pas vraiment. Sylvie est là. Elle m'a laissé deux messages. Je suis un peu inquiète. Je suis contente de t'entendre. Est-ce que je peux lui parler? Je crois qu'elle dort. Tu es chez toi? Oui. Je suis là dans une demi-heure. Comment va Sylvie? Je t'expliquerai. À tout de suite. Je t'attends. Toujours en pleine création. Création, tu parles. Qu'est-ce que fait Sylvie au domaine? C'est rare qu'elle me téléphone. Et Paul, il n'a pas cherché à te joindre? Non, pourquoi? Je pense qu'il va bientôt se manifester. Et si tu as quelque chose à dire, dis-le. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de te le dire, sans trop de brutalité. Du moins, ce que je sais, tes enfants grandissent, trop vite peut-être. Ils commencent à comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire? Tu ne devines pas? Pierre-André? Oui. Vous ne devez plus en parler. Jamais. Il ne suffit pas de se taire. Les choses n'arrivent pas. Si je te comprends bien, ce que nous redoutions depuis 5 ans est en train de se produire. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, tu ne me l'as à rien. Je me charge de tout. Enfin, j'essaie. Je m'occupe de Sylvie. Quant à Paul... Je comprends pourquoi Sylvie m'a appelé. Je crois qu'elle a besoin de toi, de se confier. Tu veux dire qu'elle attend que moi je lui parle? Parle-lui, si tu veux. Sois prudente. Elle est fragile en ce moment. Tu peux l'imaginer. Puisqu'il en est ainsi, mon cher belle-sœur, il n'y a plus qu'une chose à faire, attendre. Attendre? Tu veux dire couchons-nous par terre et dormons. Essaye ce que tu voudras. Je ne t'en empêcherai pas. Et même je t'admirerai. Mais quand une avalanche va se déclencher. Je sais. Ça va tomber. On ne sait pas quand,
On ne sait pas sur qui, mais ça m'a tombé. Je ne me résigne pas. Nous allons avoir besoin de force, tous les deux. La force, c'est pas ça qui me manque. C'est drôle. J'ai jamais pensé que j'en aurais besoin contre mes enfants. Dangereusement. Je vous démolirai. Par tous les moyens. Tu litteras les journaux que tu vends, mon garçon. Ça te porte sur les ciboulots. Vous pouvez crâner. Vous êtes foutu. Et vous le savez. Tu crois tout savoir. Mais tu sais rien du tout. Tu as vu quoi? Une malheureuse photo. Mais tu en fais un roman photo. Qu'est-ce qu'elle prouve, cette photo? Prouve la vérité. Rien. Elle ne prouve rien du tout. Elle prouve que je fais le détour pour voir ton père. Je pouvais avoir mille raisons pour ça. Une demi-heure plus tard, il était mort. C'était quoi votre raison de le voir? Tu commences à discuter. Tu es moins stupide que je pensais. Essayez pas de m'embrouiller. Répondez. J'avais une information urgente, aux dernières minutes, à lui communiquer. En laquelle? Confidentielle. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais si, mais si. Serre-toi de ta tête. Même si j'avais eu un motif. Tu crois qu'un type comme moi, avec les moyens que j'ai, il aurait fait ça lui-même? Il y a 200 professionnels en France, au bas mot, qui attendent qu'on les sonne. Pourquoi vous n'avez pas mentionné votre présence à l'enquête? Mentionner votre présence? Tu parles vraiment comme les journaux. Je vous ai posé une question, répondez. J'étais sonné, j'ai oublié, après, ça m'ennuyait de me contredire. Ça marche pas. C'est nul comme réponse. C'est peut-être nul, mais c'est comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui te gratte, là. Si tu veux bien m'excuser, on m'attend à la boîte. Que j'avais réussi à le... Ça me fait vraiment plaisir de vous voir manger comme ça. Vous allez voir la suite du lapin en pruneau fait maison. Merci, Marthe. Tu l'amènes sans commentaire. Je l'adore. Mais laissez pas se taire. Oui, Paul. Il est reparti pour Paris. J'ai réussi à le calmer. Je crois. Un peu de vin. Il cherche à me voir. À me voir. Il est comme ta mère. Il veut savoir ce qui se passe. Enfin, tu te plais bien ici. Je porte pas l'idée d'être seule, c'est tout. Autrement dit, tu supportes ma compagnie. Eh bien, je crois que c'est un progrès. Merci, Marthe. Nous nous servirons. Geneviève est un peu troublée par tes messages. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pas grand-chose. On a parlé de l'avenir, du temps qui passe. Je fais le service. Un peu de sauce? Je reviens.
C'est ta mère. Elle souhaite te parler. Non, pas maintenant. C'est toi qui décides. Par conséquent, je me vois obligé de vous réaffirmer ma position. Notre stratégie privilégie l'Europe. Et sans négliger l'offre que vous nous faites, compte tenu des incertitudes du marché pour l'instant sans règle. Qu'est-ce que c'est? Une demoiselle demande à vous voir, monsieur. Elle n'a pas rendez-vous. Je ne vois personne. Quel est son nom? Elle en a un. Oui, monsieur. Mademoiselle Lukaszewski. Quel nom vous avez dit? Mademoiselle Lukaszewski. Faites l'entrée. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est très aimable à vous d'accepter de me recevoir. Je suis Ludivine, la sœur de Véronique. Elle a dû vous parler de moi? Enfin, oui. Et bien sûr, Ludivine. Bien sûr, elle m'a parlé de vous. Bon, asseyez-vous, Ludivine. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je sais que Véronique est très indépendante. Et elle m'a beaucoup parlé de vous. Et comme elle n'est pas venue à la maison ce week-end, notre mère est un peu étonnée, même assez inquiète. Et en plus, c'était la Pentecôte. D'habitude, elle vient tous les dimanches. Sauf une fois ou deux, et alors elle prévient. Est-ce que vous l'avez vu par hasard ce week-end? Est-ce que j'ai vu Véronique par hasard ce week-end? C'est votre question? Oui. Au fait, je suis très grossier, pardonnez-moi. Désirez-vous boire quelque chose? Je vous remercie. Non. Je veux dire non. C'est moi qui suis très gênée. Vous devez penser que ça ne me regarde pas. Ah non. C'est pas du tout ça que je pense. En fait, je l'ai ramenée avec moi vendredi. Mais elle... Elle n'est pas restée. Je crois qu'il avait envie de se reposer. Je veux dire, nous deux. Elle a dû rentrer à Paris. Pourquoi vous cachez vos mains? Je sais pas, c'est mes ongles. Mais qu'est-ce qu'ils ont, vos ongles? Ils sont très jolis.
Voilà ce que je vous propose. Maintenant, je suis un petit peu surchargé. Mais si vous pouviez repasser en fin de journée, vers 6 heures. On pourrait faire un saut au domaine, qui sait. Peut-être que Véronique aura le bon goût de réapparaître. Vous m'inviteriez chez vous, au domaine? Inviteriez. Pardon? Inviteriez, pas inviteriez. Ah oui, bien sûr, inviteriez. Excusez-moi. Alors, vous êtes libre, ça vous va? Ah oui, oui, complètement. Eh bien, c'est magnifique. Je vous raccompagne. Non, c'est pas la peine. Si, c'est tout à fait la peine. Non, c'est par là. Par ici, c'est plus court. Secret défense. C'est beau, hein? Un peu froid l'hiver. Sylvie? Sylvie? Tu peux venir? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je te présente. Ludivine. C'est la sœur de Véronique. Sylvie. Sylvie Rousseau. La fille de Pierre-André Rousseau. Elle est ici pour quelques jours. Bonjour. Vous connaissez ma sœur? Oui, je l'ai rencontrée une fois. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle vous a... Excusez-moi. Tu vas bien te joindre à nous pour un petit verre. Je suis fatiguée. Fais-moi plaisir. Juste un instant. Mais très rond, souple et bien structuré. Un peu féminin, j'aime beaucoup. J'ai étudié ça pendant 2 ans. Malheureusement, c'est une profession un peu sinistrée. Enfin, pas plus que d'autres. Dans la famille, on est tous portés sur les bonnes choses. Maman a fait des confits magnifiques. Elle en avait préparé un pour Véro. Bon, en tout cas, s'il s'inquiète, elle a tort. Véro a simplement besoin d'indépendance. Même par rapport à moi. Elle doit être amoureuse. Ça m'étonnerait. Je le saurais. Elle me dit beaucoup de choses. Bonsoir. Fatigué. Et cette vocation pour l'œnologie, c'est venu comment?
Ça m'amusait. Je trouve ça original. C'est pas courant pour une femme. Et puis la comptabilité, ça m'embête. Mes parents voulaient m'obliger à en faire, mais j'ai pas du tout envie de suivre le même chemin que Véro. Et voilà, c'est tout. J'aime beaucoup la façon dont vous remuez votre verre. Je connais pas bien les crus de blanc de Mercurey. Vous avez des mains très belles. Admirables. Il faut que je rentre. Alors, tu me le dis maintenant? Quoi? Ton petit nom? Ah non. Je te dis non. S'il te plaît, je veux. Je déteste. Je l'ai rayé. Je n'insiste pas. Tu m'aimes pas? Non, je ne t'aime pas. Tu m'en veux? De quoi je t'en voudrais? Je sais pas. Peut-être que tu crois que je suis une fille facile. Je suis pas une fille facile. Pas du tout. Moi, je pense à Véro. Et toi, tu penses à Sylvie. Et on dit rien. Tu vois, tu réponds pas. On n'est pas toujours obligé de tout expliquer, ne crois pas. Sylvie, elle est quoi pour toi? Elle a rien. Menteur. Je suis sûre que tu mens. Habille-toi. T'es jalouse? Je suis très jalouse. Et je suis très bien comme ça. Comment je t'appelle, alors? Appelle-moi comme cette nuit, c'est très bien. J'ai une fan de Lou. Tu crois qu'elle est là? Je pense qu'à elle. J'ai peur. Pas de quoi. J'ai peur de pas savoir me tenir. J'espère que si. Et la petite Jeanne? La petite Jeanne? Mm-hmm. Elle ira à l'école l'année prochaine. Et pour le moment, elle profite du bon air. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu as meilleure mine qu'hier soir. Bonjour. Mademoiselle. Vous êtes déjà levée? Ludivine, qu'est-ce que vous prenez? Thé, café? Café, et puis tartine, confiture. Un café à l'heure. Le pain. Faites comme chez vous. Merci. J'ai faim. J'ai trop faim. Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. Non, pas à vous. Excusez-moi. Bon appétit. Si tu veux qu'on parle, excuse-moi, mais il faut un peu plus de proximité. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? Pardon? Qu'est-ce que vous faites avec cette fille? Bah, il faut bien que je remplace Véro, non? Vous me dégoûtez. C'est même pas ça. Écoute, je n'ai pas choisi cette situation. Non? Vous étiez obligé de passer la nuit avec elle? Non, je n'étais pas obligé. Mais vous espérez quoi? Qu'elle s'installe ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Et
Écoutez, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on se tourne autour. Hein, qu'on fait semblant de rien. Vous pouvez rire. Je ne ris pas, Sylvie. En même temps, vous n'avez aucune raison déjà comme ça si vous n'avez pas peur pour vous-même. Laissez-moi parler. Vous faites semblant de vous amuser beaucoup. Vous êtes paniqué. Vous êtes mort de peur. Je veux savoir. Tu veux savoir? Tu arrives en pleine nuit. Tu as tout foutu en l'air. Et tu me demandes des explications. Tu m'accuses. Arrêtez là, de jouer avec moi. Dites-moi la vérité. Essayez au moins. J'en peux plus. Vous comprenez ça? J'en peux plus. C'est trop dur. Oui, je sais, je te vois. Alors pourquoi vous voulez pas m'aider? Je vais t'aider. Contrairement à tout ce que tu penses, je voudrais t'aider, Sylvie. Mais comment? Comment? En me racontant tout, depuis le début. La mort de mon père, comment ça s'est passé? Vous y êtes pour quelque chose, moi, ou non? Oui, bien sûr. Tout ça, c'est à cause de ton père. J'avais presque oublié. Non, c'est faux, non, je n'oublie pas. Tu me demandes une chose impossible. Si c'est non, tu ne croiras pas. Si c'est oui, t'es la dernière personne à qui je le dirai. Dites-le. La mort de Véronique était un accident. La mort de ton père était un accident. Je vous crois pas. Tu vois. Elle, au moins, elle se laisse pas mourir de faim. C'est délicieux. Est-ce que tu veux te changer? Je vais prendre les vêtements de Véro dans sa chambre. Tu pourras lui montrer? Maintenant? Ah non. On n'est pas pressé. N'est-ce pas? Moi, c'est sûr. Vous comptez rester longtemps ici? Ça vous embête hein, que je sois là. Je le voyais bien, vous savez. Si c'est à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. Non, non, c'est pas ça. Votre sœur. Vous étiez. Vous êtes très liée avec elle? On s'entend bien. Vous l'avez vue ici? Non, je l'ai rencontrée à Paris. J'imagine ce que vous pensez. Non, je crois pas. Je comprends vos sentiments. Ce qui arrive, c'est pas de ma faute. J'ai rien fait pour. J'ai rien contre vous, hein. C'est pas ça. Vous savez pas qui je suis. Vous trouvez que c'est vache pour Véro, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je lui parlerai, elle comprendra. Non, vous lui parlerez pas. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Vous lui parlerez pas parce qu'elle n'est plus là. Je vois pas ce qui vous autorise à prendre ce ton supérieur. Comme si vous saviez tout. Qu'est-ce que vous savez sur moi et ma sœur? Vous entendez ce que je vous dis? Mais criez pas, je suis pas sourde! Et arrêtez de m'agresser! Je vous agresse pas. Ah bon? J'essaye de vous parler. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Bon, je suis désolée pour tout. Ça va, hein, vous inquiétez pas. Sans rancune. Au revoir. Au revoir.
Qu'est-ce que t'as appris? Rien. Eva le sert? Je ne parle plus de lui. Bonjour, vous êtes bien chez Sylvie Rousseau. Vous pouvez me laisser un message sur ce répondeur ou m'envoyer un fax à ce même numéro. Merci, au revoir. Allô? C'est un miracle de t'entendre. C'est Sabine. Je suis à la maison, là. On pourrait peut-être se voir. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Parce que... Ça va? Sylvie, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, attends-moi. Je suis là dans un quart d'heure. D'accord. Tu avais Valser, pourquoi? Je croyais que tu le détestais. Non. Enfin, si, mais... Écoute, je sais pas comment le dire. Tu as vu Valser et... Il s'est passé quelque chose entre vous? Oui. Quoi? Tu ne vas quand même pas me dire que t'as couché avec lui? Bien sûr que non. Non, c'est pire que ça. C'est quoi? Je peux pas l'expliquer. Essaye. J'essaye, mais je peux pas. J'ai refait le même rêve. Tu sais, celui que je faisais tout le temps. Le rêve avec Elisabeth? Oui. On est au domaine. Elle a 14 ans, mais elle est toujours l'aînée. Alors que moi, j'ai mon âge. On joue à un jeu, une sorte de clin maillard. Je suis très heureuse d'être avec elle. Qu'elle veuille bien jouer avec moi alors qu'elle a 2 ans de plus que moi. Je trouve ça très gentil de sa part et... Je me dis que... Que je l'aime, que je l'admire. Il fait très beau. Puis d'un coup, je m'aperçois qu'elle disparaît. Je suis seule. C'est horrible. Puis à ce moment-là, je me réveille, c'est encore plus horrible. Même après... Je veux dire, même après 15 ans, tu fais encore ce rêve. Oui. Enfin, en fait, c'est revenu il y a 3 jours. J'ai des variantes. Il y a aussi... Il y a une amie. Enfin, c'est pas vraiment une amie, non. C'est une fille, elle s'appelle Véro. Véronique. Elle est morte, elle aussi. Dans ton rêve? Non. Dans la réalité. Qui c'est? Elle travaillait pour Valser, c'était sa secrétaire. Pourquoi elle est morte? Pour rien. Elle est morte pour rien. Elle a rien fait. Tu la connaissais? Oui. Enfin, un petit peu. Elle est morte comment?
accident. Excuse-moi, excuse-moi, je suis mal à droite. Tu sais, si tu ne veux pas en parler, c'est sa mort qui t'angoisse. Oui, il y avait des périodes où j'avais des angoisses tous les jours. Et puis d'autres périodes où il y avait des intervalles. Et puis j'ai... Parfois j'ai l'impression que ça va être dur toute une vie que ça chavire. Tu vas te reposer. Allô? Oui, ça c'est pour toi. Merci. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est maman. Tu vas bien? Comme ça, beaucoup de travail. Ça me fait plaisir de t'entendre. Tu ne donnes pas beaucoup de nouvelles, hein, mais pour te joindre. Enfin, j'étais un peu inquiète. Ça fait le plus aussi, je suis là. Faudrait qu'on se voie, ça fait longtemps. J'aimerais bien parler avec toi. Moi aussi, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Oui, tu as beaucoup de travail, comme toujours. Tu pourrais m'expliquer ce que tu fais? Ce que je fais? Rien de particulier. Il y a beaucoup de choses aussi. Ça doit pas t'apprendre grand-chose. Tu étais au domaine, j'ai eu tes messages. Pourquoi tu n'es pas passé me voir à la maison? On aurait pu parler, ça m'aurait fait plaisir. Oui, on aurait pu. Mais tu as parlé à Valser, non? On s'est vu, oui, il est passé. Pourquoi tu continues à voir ce type? Tu as besoin de lui à ce point-là? Tu sais très bien que c'est un salaud. Oui, un salaud. Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu n'as pas le droit. Je sais que c'est un salaud et je peux te le prouver. Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas parler comme ça. Je pourrais te prouver, moi, que c'est quelqu'un de bien. Mais même mieux que bien. Je ne sais rien. J'en sais beaucoup plus que tu ne crois. Je ne crois rien, je constate. Mais bon, si tu veux m'éclairer sur certaines choses, toute explication sera la bienvenue. Ce que je sais, ma petite fille, tu n'as pas forcément à le savoir. Tu ne sais rien. Rien, rien, rien! Et arrête avec tes faux prétextes d'avoir besoin de mes nouvelles. Tu as peur. Tu cherches à savoir. Tu as peur de ce qui peut arriver. Tu ne sais pas de quoi tu parles, ma pauvre petite. Je suis pas ta pauvre petite. C'est toi qui ne sais rien, c'est toi qui ne vois rien. C'est toi la malheureuse. Voilà, tu me pousses à faire des conneries en plus. Ah bon, c'est moi? Oui, c'est toi. Excuse-moi, tout est à refaire, je suis désolée. C'est pas grave. Si, c'est grave. Je t'en remercie, mais pour ramasser trois bouts de verre, je peux le faire toute seule.
excuse-moi, je sais plus ce que je dis. Laisse, je m'en occupe. Va prendre un peu l'air. J'ai lu un jour qu'avec les institutrices, les chercheurs sont les femmes qui font le plus souvent de la dépression. Je peux t'aider ? En fait, ce n'est pas une question, je voudrais t'aider. Dis-moi comment ? Je te demande rien. Tu ne demandes jamais rien. Tu refuses toujours toute aide. Tu veux pas me parler ? J'ai un peu sonné, c'est tout. On pourrait parler. Mais tu ne veux plus parler. Tu es absente. Je suis fatiguée. Mais... Je t'écoute. Je n'arrive pas à parler. J'ai l'impression de vivre un cauchemar depuis... Je ne sais même plus quand. C'est difficile d'en parler. Mais un jour... Quand ? Lorsqu'on aura enfin un moment ensemble ? T'inquiète pas, c'est pas de la persécution. Sache que je suis là, c'est tout. Ça me fait du bien de te voir. On se voit quand tu veux. Tu le sais. D'ailleurs, mon intention en arrivant était de t'inviter à dîner. Très volontiers, mais pas ce soir. Demain, peut-être ? Voilà, demain. C'est un rendez-vous flottant. Oui, je flotte. Et je pense à toi. Seul. J'apprécierais un verre de quelque chose. C'est bête, la peur. J'ai peur de ce que je vais te dire. Mais comme il faut que je le dise... Tu as bien du vin. Même la plus infâme piquette, j'apprécierais. Merci. Merci de m'accompagner. Dans le vin, la vérité. On a assez joué l'un avec l'autre. Le moment est venu de cesser de mentir. Je parle bien, non ? Tu ne bois pas ? Je vous écoute. S'il te plaît, ne parle pas. Ne m'interromps pas. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Je vois que tu me comprends. D'ailleurs, je crois qu'on se comprend. Même quand on ne se comprend pas... Je sens que je commence mal. Je savais que ce serait difficile. Mais au fait... Je crois que ceci t'appartient. Mais je croyais que... Je l'avais balancé avec Véro.
J'ai failli le faire, finalement, non. Ce que j'ai à te dire, en fait, tu le sais déjà. Paul ne s'est pas trompé. Ton père n'est pas mort accidentellement. Il a été poussé. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est ça que tu voulais savoir, depuis le début. Quand t'es venu à mon bureau. Non. Je vais essayer. Je vais essayer de te dire ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Chagny très peu de temps avant l'arrivée de la Micheline. Ton père ne m'a pas vu. Il n'était pas Miro, mais distrait, tout le temps préoccupé. Et pour cause. Je savais que j'avais très peu de temps, qu'il fallait que j'agisse avant la prochaine station, avant Mersou. Après. Il n'y avait presque personne à cette heure-là. Deux gamins qui rigolaient. Une grand-mère, la tête dans ses mots fléchés. C'est pour ça que ton père affectionnait ce trajet. C'était calme. Il disait que toutes ses idées, lui, étaient toujours venues dans le train. J'ai attendu que la vitesse soit suffisante. J'ai entrouvert la portière. Je lui ai fait signe. Il s'est levé. Il est venu vers moi sans comprendre, mais sans se méfier. J'avais toujours été clair avec lui. Même à propos de Geneviève. Quand j'ai senti le vent par la portière ouverte, on ne sait pas ce que peut le corps, a dit quelqu'un. Je crois que j'aurais pu balancer un bœuf. Je l'ai pris par le revers de sa veste. Il n'a eu le temps de se rendre compte de rien. Il est tombé sur le ballast, la tête la première. Et tu es sur le coup. J'ai refermé la portière et je me suis enfermé dans les chiottes. Deux minutes plus tard, on arrivait à Mersault. J'ai récupéré ma voiture. J'ai tracé pour attraper le temps perdu. Je me suis fait flasher deux fois au radar, assez près de Paris, pour que ce soit bien pour moi, pour mon alibi. Juste avant le tunnel, il y avait un bouchon à cause d'un accident. Et là, je me suis mis à pleurer. Du soulagement, de tristesse. Je ne sais pas. Donc voilà. Tu espérais autre chose ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Ah, bien sûr. C'est ça qui t'intéresse. Ça, malheureusement, je ne peux pas te le dire. Pourquoi ? Il y a une petite différence entre toi et moi. Enfin, plusieurs. Toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, si. Tu n'as pas tué volontairement. Moi, si. Mais il y a aussi une certaine ressemblance entre nous. Entre nos meurtres, si tu préfères. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ni l'un ni l'autre
On a eu de mobiles bas. J'ai tué parce que je devais le faire. Parce qu'il avait mérité. Oui, ton père, ne dis rien. Ne m'interromps pas. Je n'ai pas eu le choix. Vous mentez. Qu'est-ce qu'il a fait? L'affirmation et la question se contredisent. Non. Tu ne veux pas boire? Non. Je te répète, je ne te le dirai pas. Ne cherche pas à savoir, il vaut mieux que tu ne saches pas. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire de pire que vous? Sylvie. Sylvie. Je n'ai pas envie de crâner. J'essaie de tenir le coup, c'est tout. Je suis quelqu'un d'assez innocent, dans le fond. Très coupable, mais innocent. Je l'étais quand je me suis fait engager par ton père. En 87, date mémorable, il y a 10 ans. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être réfléchi. Pas mal, ce petit vin. Je ne regrette rien. J'essaie d'avancer. Et c'est pour avancer que je suis venu te voir ce soir. Aussi bizarre que ça paraisse. Je suis vidé. Je suis désolé. De ne pas t'apporter la paix, mais le trouble. J'aurais aimé autre chose. Vous n'avez aucune idée où je pourrais le trouver? Je vous assure, il ne nous a rien communiqué. Voulez-vous que je vous donne le numéro de l'usine de Chani?
Merci, je viens d'appeler, il n'y est pas. Je suis désolée. Bon, bah, je vous remercie. Au revoir. Oui. Allô? Qui était l'appareil? C'est vous, Ludivine? Oui. C'est Sylvie Rousseau. Est-ce que vous avez vu M. Velser? Est-ce qu'il est rentré? Non. Non, je ne sais pas où il est. J'ai pas de nouvelles. Merci. Oui? Maman, c'est Sylvie. Ah, Sylvie. Où es-tu? Chez moi, à Paris. Je voulais m'excuser pour hier. Je sais que j'ai dit n'importe quoi, je regrette. Écoute, ce n'est pas grave. Comment vas-tu? Mal. J'ai pas dormi de la nuit. Tu as eu des nouvelles de Valser? Tu ne vas pas recommencer. Je recommence pas, c'est juste une question. J'ai besoin de le joindre. Je peux savoir pourquoi? Non, je peux pas te le dire. Dis-le-moi. Je peux pas. De toute façon, je ne sais pas où il est. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis la dernière fois. Tu n'as aucune idée de l'endroit où il pourrait être? Bon, c'est pas grave. Je te rappelle, je t'embrasse. Moi aussi. Donne-moi tes nouvelles.
Sylvie. Allô, Mal. Qu'est-ce que tu fais là? J'attendais le train pour Paris. Maintenant, c'est inutile, c'est toi que je voulais voir. Je retourne dans le domaine. Pas le cerf? Oui. Faut que je le trouve. J'ai peur. T'as peur de quoi? Je sais pas. Moi aussi, j'étais inquiète. Tu m'as inquiétée hier. Tu n'as vraiment rien à me dire? Tu ne veux pas me parler? C'est trop difficile. Tu tiens à retourner au domaine? Oui. La Micheline part à quelle heure? À 3/4 d'heure. Tu repars avec moi? Si tu veux bien, oui. Oui, je veux bien. Maman. Balzer m'a parlé. Il t'a parlé? De la mort de papa. Tu me demandes pas ce qu'il m'a dit? Ne le dis pas. Tu savais? Tu sais qu'il l'a tué? C'est depuis longtemps? Depuis le début. Je comprends pas. Tu étais d'accord avec lui? Vous étiez complice? Je ne le savais pas avant. Je n'ai pas su qu'il allait le faire. Mais tu étais d'accord avec lui? Dis-moi pourquoi Balsa avait ça. Pour moi. Tu veux dire, à ta place? Apparemment pour moi, pour que je ne le fasse pas moi. Quand c'est arrivé, quand on t'a annoncé la mort de papa, tu es tombé malade. Maintenant tu dis que c'est ce que tu voulais. C'est pas ça qui m'a rendu malade. C'est quoi? Ce que j'ai appris avant, juste avant. Ce que Valser m'a appris, juste avant. Qu'est-ce que Valser t'a appris? Il faut que je t'arrache les mots de la bouche? Ça tient en un mot. Un nom. Elisabeth. Elisabeth, ta sœur, ma chérie. Morte à 14 ans. Qu'est-ce que Balser t'a appris? Imagine le pire, tu auras raison. Non. Papa n'a rien fait, Elisabeth. C'est faux. Je le saurai.
J'étais sa fille aussi. C'était pas un malade. J'ai pas dit ça. Non, mais tu dis que c'était un monstre. Oui. Mais pas comme ça. Alors comment? Un monstre. D'ambition. Il a sacrifié Elisabeth par ambition. Tu veux dire qu'il a vendu Elisabeth, c'est ça? Oui, c'est ça. Vendu à qui? Il est mort. Qui? C'était un de ses intermédiaires, sans qui les contrats ne se font pas. Je peux pas croire ça. C'est la vérité. Ton père ne pensait plus qu'à ce contrat. Je ne sais pas à quel point. Je m'en veux de ne pas avoir deviné. Je m'en voudrais toujours. Tu pouvais pas deviner? Non, je ne pouvais pas. Tout était faux. Si Valsin n'était pas venu, éternellement. Changer d'avis, tu veux pas venir à la maison? Non, je dois y aller. Concentre-toi. Vous l'avez trouvé? Valser, vous avez des nouvelles? Non. Je l'ai cherché partout, il est nulle part. C'est étrange, non? Je sais pas. Si. C'est étrange la façon dont il s'est comporté avec moi, non? Je sais plus, je comprends plus. Ah oui, j'oubliais, il y a votre frère qui est arrivé. Tu l'as vu? Non. Il est bien quelque part. Tôt ou tard, il va bien revenir. J'en sais rien. Tu n'as rien à faire ici. Mais autant que toi. J'ai besoin de savoir, comme toi. Savoir quoi? C'est pas ici que tu vas apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu sais? Me demande rien. Je peux rien te dire. C'est trop terrible. Il faut que tu me dises. Je veux savoir. La seule personne qui peut te parler, c'est maman. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Elle seule a le droit de te dire. Mais elle sait rien. Tu dis ça pour te débarrasser de moi. Non. C'est parce que j'ai pas la force. Paul? Pas comme ça. Pas avec ça. T'as peur pour lui? Je te comprends pas. Tu protèges cet assassin. Lui et toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je peux pas vous expliquer. Excusez-moi. Vous êtes...
êtes tous fous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Valser est pas là? Il s'est enfui? Pourquoi votre frère dit que c'est un assassin? Ça n'a rien à voir avec la mort de Véronique. La mort de qui? Il est arrivé quelque chose à Véro? C'est ça que vous avez essayé de me dire l'autre jour. Elle est morte? Véro est morte? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est morte? Il l'a tuée? Il l'a tuée et il a couché avec moi. C'est pas lui, c'est moi. C'est moi. C'est un accident. C'est moi qui l'ai tué. Vous croyez que j'ai pas compris? Que vous l'aimez, que vous le protégez? Non, c'est pas vrai. Laissez-moi. Je crois pas un mot de ce que vous dites, laissez-moi. Oui. Anne-Marie, bonsoir, c'est Valser. Je ne vous réveille pas? Non, monsieur, j'étais en train de... Enfin, je ne suis pas couchée. Vous aviez plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Oui, je sais. J'ai besoin de décompresser 24 heures. Mais les rendez-vous, on les voit demain, je veux dire lundi. Est-ce que j'ai eu des appels personnels? Mademoiselle Rousseau a téléphoné 2 fois ce matin et Madame Geneviève Rousseau a cherché aussi à vous joindre en fin de journée. La dernière fois, ce soir, à 8 heures. Elle disait que c'était urgent. Bon. Merci, Anne-Marie. À demain. À lundi. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. Où étiez-vous? Je dormais. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Elle sait que Véronique est morte.
Où est Véronique? Pourquoi tu l'as tuée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai dit que... Ta gueule! Pourquoi t'as tué Véro? Réponds. Je n'ai pas fait ça, Ludivine. Non.